à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce nouveau tuto, on va voir comment on réalise ces carrés. Donc, c'est toujours un point coquille comme on avait fait un petit peu déjà avec le rose. Il est un peu différent celui-ci en jaune. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, il faudra réaliser deux carrés. Je les ai déjà faits. Je vais vous montrer comment on commence le carré. Et ensuite, bien sûr, je vous laisserai finir tranquillement. Donc, on commence tout de suite le pas à pas. Donc on démarre avec notre fil jaune et toujours notre crochet numéro 4. Donc on va démarrer par faire une chaînette de 28 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Une fois qu'on a fait notre chaînette de 28 mailles en l'air, on va faire deux brides dans la quatrième maille à partir du crochet. Donc on compte 1, 2, 3, 4. On vient piquer ici, donc on fait notre jeté hein, pour préparer notre bride. On va venir piquer dans la quatrième maille à partir du crochet. On vient y faire une bride. Et on recommence, on fait une deuxième bride dans la même maille. Ensuite, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, on vient dans la quatrième et on va former un V. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Donc là, avec la première, les trois mailles en l'air de départ, on a un groupe de trois brides. On saute trois mailles et on a un V. Ensuite, on continue. On saute trois mailles. Une, deux, trois. On vient dans la quatrième et là, on va venir y faire un groupe de cinq brides. Donc une, deux, 3, 4 et 5. Vous voyez, on a un groupe de 3 brides, un V, un groupe de 5 brides. On saute 3 mailles, 1, 2, 3, on vient dans la quatrième, on reforme un V. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang. On saute 3 mailles, 1, 2, 3, on va dans la quatrième, on fait un groupe de 5 brides. Donc 3, 4. Et 5. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On va dans la quatrième. On vient former notre V. Une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On arrive dans la dernière. Et là, on vient y faire un groupe de 3 brides pour finir notre rang. Donc, une. 2, 3. Donc ça, c'est notre premier rang. On fait 3 mailles en l'air pour tourner. 1, 2,
3, on retourne. Ici, tout de suite à la base de nos 3 mailles en l'air, on vient refaire une bride. Donc là, on démarre notre rang par un groupe de 2 brides. Ensuite, on va venir directement dans notre premier arceau ici. Vous voyez, on a formé le V au rang précédent. Et on va venir y faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a un groupe de 2 brides, une coquille avec 5 brides dans l'arceau du rang précédent, le V qu'on a fait au rang précédent. Ici, on a un groupe de 5 brides, donc sur la bride du milieu, celle-ci, vous voyez, on va venir faire notre V. Donc, on fait une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Et on continue comme ça tout le rang. 5 brides, ici un V, 5 brides. Et on se retrouve à la fin de ce rang pour voir comment on le finit. Voilà ce que ça nous donne arrivé à la fin du rang. Maintenant, on va faire dans la troisième des mailles en l'air, voyez, du rang précédent ici. On a 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir piquer dans celle-ci pour finir notre rang et on va venir y faire 2 brides. Donc, 1 et 2. Donc là, on a commencé le rang par 3 mailles en l'air, une bride au même endroit, ce qui équivaut à 2 brides. On fait notre petit motif et on finit le rang par 2 brides. On commence le troisième rang ensemble et ensuite, je vous laisserai faire votre carré. Donc pour le troisième rang, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, on retourne. À la base ici de nos 3 mailles en l'air, on va venir y faire 2 brides. 1 et 2. Et ensuite, on continue notre schéma bah, comme le premier rang. Vous voyez, là, on a un groupe de 3 brides, ici également. On va venir faire un V dans la bride centrale de notre coquille. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Et ainsi de suite, 5 brides ici dans notre V, ici on refait un V, 5 brides, un V, et on finit ici par 3 brides dans la dernière des mailles en l'air, du rang précédent. Et ainsi de suite, et on continue comme ça notre carré jusqu'à avoir une hauteur de 6 coquilles. Voilà, voilà, notre carré est terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un rang de coquille, un V, un rang de coquille, un V, un rang de coquille, un V, et on a ça 6 fois. On finit par un rang de coquilles. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs où on a les coquilles et 5 rangs où on fait les V entre chaque rang de coquilles. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ce modèle-là, il nous faut réaliser donc 2 carrés comme celui-ci. Et je vous dis ben, à bientôt pour un prochain tuto de carrés. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.